Bonjour et bienvenue sur Comme d'habitude Gaming en compagnie de Knarfang pour un nouvel épisode de Dredge. Voyage de nuit, non, mauvaise idée. Excusez-moi. Épisode 11, hein, c'est parti. On va partir donc vers 4h du match, je pense. Ouais, voilà, 4h40, c'est très bien ça. C'est très bien. Et notre objectif donc c'est le sud par là, là. Hein. Sud-est. Non, du coup le sud-ouest. On va à gauche de la carte. Oui, sud-ouest. Par là. Nous allons par ici. Il y a des chelouteries, mais sur des poissons que je connais déjà, c'est ça? Oui, quel énorme trouble. Lol. Lolfest et Lolfest. On vole les bancs de poissons. Je suis pas sûr d'en viser tout. On se le fait. Ah, un quinquin, par contre, ça m'intéresse toujours. Ça vaut du bif. Jamais j'arrive à le ramener. Il vaudra son pesant de cacahuètes. Alors, de la merde, de la merde, enfin de la merde. Compris, hein. C'est pas que c'est inintéressant, hein, mais c'est que ça y est. Hein, nous l'avons farmé, nous n'avons plus besoin de nous embêter avec ça. C'est fini. C'est fini. Et il n'y a rien sur cette île à part la carcasse fracassée contre. Rien du tout. Alors, si. Non, si, si, parce qu'en fait, j'abuse. Faut que je vienne voir. Voilà, parce qu'il peut y avoir des bijoux. Donc, il peut y avoir des objets de quête qui traînent près de cette épave, ou des choses importantes, ou des trucs qu'on pourrait me demander pour une tierce quête. Donc, faut quand même que j'aille tous les tester gentiment. Tout à jeter après, ce qui est en surplus. Donc là, officiellement, sont des planches. Si je pêche une recherche, je suis content. C'était du bois. Très bien. Hop. Bon. J'ai toujours du pognon. Bon. Formidable. Toujours du pognon ou c'est poubelle au choix, mais ça fera des trucs quoi. Donc nous on sait qu'on nous a demandé d'aller par ici. Ah, j'avais pêché. Un vivano rouge. Ok. J'ai deux vivano. Ouais, il y a un petit quai dans le coin quand même parce que... Ce serait bien. Hein. En vrai, les gars, il y a un petit quai dans le coin, non? En vrai, les gars, un ensemble de valises s'est échoué sur la rive. Certaines sont grandes ouvertes et ont perdu leur contenu dans les vagues. Cherchez des objets de valeur. Matériel, photo. Bingo. Un bingo si on se fait pas cartonner. Hein. Oh, j'aime pas très beaucoup ça. Un calamar luciole. Alors le truc le plus proche... C'est l'île là-bas. Mais si je vais à l'île plein sud, qui est un peu plus loin, j'aurai plus jamais besoin d'y revenir potentiellement. On n'accélère pas, on est tranquille, on est serein. C'est finalement une petite nuit tranquille qui mouille un peu. Certes, il faut reconnaître. Pêcher 150 poissons à l'aide du chalut. Allez, c'est sûr que c'est déverrouillé dans les mailles du filet. Ah, je peux pas, c'est un poisson des abysses. Je me casse de là. Excusez-moi, excusez-moi, c'est pas ce que je voulais. Je referai plus. Je m'en vais. Non, j'ai pas le droit d'aller ici. C'est juste une île, c'est juste une île, c'est juste un caillou. Laissez-moi tranquille, je suis sympa.
Je suis sûr que c'est un bijou, voilà. Voilà, c'est bien ça. Ça fait couler le temps, c'est bien. C'est déjà fini. Dommage. C'était bien, hein. Bon. Ah! Une dalle de pierre dépasse des vagues. Quatre formes représentant d'énormes poissons sont gravées dessus. Et quatre grandes fentes traversent la base de la pierre. Attends, il faut des requins. Ta mère, c'est des requins qu'il faut là? Non. Non, c'est autre chose que des requins. Ah, c'est peut-être des requins. Hein. Mais non. Non, ça peut pas être des requins. Ces deux requins, ça rentre pas. C'est autre chose que des requins. C'est pas des quinquins. Ok, c'est pas un quinquin. C'est autre chose. Balance-moi ça. Méduse de l'aurore. Et de l'espèce ajoutée. Je ramasse des trucs dans mes filets de l'espace, quoi. Elle illumine les profondeurs de sa lueur lugubre, ayant peu de prédateurs. Cette espèce se répand rapidement. Le calamar luciole. Ce minuscule calamar brillant passe la plupart de son temps au fond de l'océan, remontant à la surface lorsqu'il est en fin de vie. Hein, marrant, ça. Il n'y a pas de raison particulière à pourquoi il remonte spécifiquement en fin de vie. Donc là, il y a un autre poisson des abysses. Est-ce que cette fois-ci, je peux faire un ping sur ma carte? F, placer un marqueur. Oui, si tu veux. Allez. Oui, on va bien vers une des îles que je ne connais pas. Let's go. Heures du matin. Allez. Youpi. Et c'est maintenant qu'on trouve un ponton, bien sûr. Évidemment. Logique. Ok, il y a un campement. À côté du quai se trouve un campement abandonné. D'étranges symboles sont dessinés dans le sable. Que voulez-vous faire? Bah, fouiller le campement, comme d'habitude. Un drap rugueux et usé gît au pied de supports en bois. Il n'a rien de remarquable. Que voulez-vous faire? Bah, examiner les symboles au sol. Hein. Les symboles s'étendent sur toute la longueur du campement, tournant d'un côté, côté et de l'autre. Certains sont regroupés comme pour former ces mots. Des empreintes de pas récentes encerclent chaque symbole. Le dernier symbole semble avoir été tracé de façon précipitée et paraît inachevé. La personne qui a laissé ses empreintes était pieds nus. Les empreintes sont longues et larges, ce qui peut indiquer que ce sont celles d'un homme, mais vous n'y connaissez pas grand chose en empreintes. Des empreintes de pas récentes encerclent chaque symbole. Le dernier symbole... Examinez le dernier symbole. Un morceau de métal scintillant dans le sable. Ah, merci. Vous le prenez. Les empreintes de panneaux. Bon bah, bisous. Bah, cassez d'ici, hein. Ouais, me casser de là. On va faire le tour de tes îlots pourris, là. Ce qu'on fait depuis tout à l'heure, quoi. On va voir si on peut pêcher de nouveaux trucs. Ou des aliens. Bien sûr. Ah, il pouille. Tout est en train de pourrir. Voilà. Vivano cadenasseur. Des plis de chair gonflée recouvrent ses yeux et les tissus cicatriciels de ses lèvres saignent. Ouh, il a l'air kawaii. Non, pas du tout. Un bijou? De la recherche. Je prends. Bijoux, je prends. On prend dessous.
Oh, encore un qui va me demander des poiscailles et des trucs et des machins. Vous approchez d'une silhouette encapuchonnée, sa tunique dorée. Sale recouvre tout son corps, à l'exception de ses mains noircies et usées. Pêcheur, les profondeurs appellent, répond. Sa voix gargouille comme si ses poumons étaient remplis de liquide. Une réponse. La silhouette encapuchonnée tient un parchemin. Elle tapote du doigt la forme d'un vivano rouge. Bon appât, ma gueule. Elle déchire la gorge du poisson et lui arrache le cœur, celle-ci d'un ouche. Voyez ce qui se passe. Un autre, un sacrifice. Elle indique une forme sur un parchemin. Celle-ci ressemble à un poisson ogre. J'ai pas ma gueule. Bisous, à la prochaine. Son taré. Son taré, c'est nudiste de l'extrême. Ils ne sont pas des nudistes, mais qui sont extrêmes. Je sais plus comment gratter du poisson, les mecs. Hein. Ils font les mecs chelous abandonnés sur une île. Oui, il répond à la fin de... Oui, tu m'étonnes, c'était là en train de glander avec tes PQ depuis je sais pas combien d'années sans jamais te laver. Tu m'étonnes, ma gueule. Bon. Pas bon ça, la nuit elle tombe d'un coup. C'est pas très très beaucoup bon. Ok. J'ai donc vu toutes les îles là ? Quoi, c'est un autre poisson des abysses ? Abyssa Abyssus ? Non. Des poissons de la région. Ah, le quinquin a définitivement pourri. Ok, d'accord. Ok. Bon, très bien. C'est une bonne chose en vrai. Prendre beaucoup trop de place. Hop. Il y a la petite île devant moi, mais je crois qu'il n'y a rien sur ce petit bout d'île à part des embrouilles. Rasse, 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 rasse. Ah, je vois une loupiote. Je ne sais pas si j'y suis allé à ce bout d'île. Non, j'y suis pas allé. Bonjour. Photographe. Ah, vous avez mes objectifs. Oh, j'espère que l'eau ne les a pas endommagés. Elle saisit la mallette et inspecte chaque objectif soigneusement. Elles ont l'air en bon état, hein. un peu de lustrage. Il n'y paraîtra plus. Comme promis, je vous donne un appareil photo. Son objectif est classique, mais il devrait vous permettre de faire de belles photos. N'hésitez pas à me demander des conseils pour savoir où photographier la faune locale. Parlez-moi des gros poissons. Je parie que vous savez plus que moi dans ce domaine. Il y a quelques espèces de requins dans le coin. Normalement, l'énorme requin baleine, il préfère les eaux plus chaudes du côté du bassin des astres. Vous avez raison sans doute, il était notre souci, mais probablement tout de même éviter que vos hélices ne les blessent. Autre chose? Non, en fait. En fait, ça m'intéresse pas, je m'en fous. À moins que le jeu subitement me dise « Ouais, mais tu peux prendre des photos », ce qui m'emmerderait beaucoup parce que j'ai pas envie. Je fais quoi ma recherche? Ah oui, le turbo méga, le supra. Hop, il y a quelque chose d'autre qui a pourri là-dedans. Bout de métal. Ok. Je suis censé avoir un appareil photo, me dis pas que j'ai vraiment genre un appareil photo. Oh putain, prenez le temps de vous préparer. Ça ne m'intéresse guère. Par contre, ça intéressait quelqu'un d'autre. Un morne truc là-bas. Merde.
Allez, il fait jour, on s'en fout. Même balancer à 6h du matin son poisson chelou dans la gueule. Hein. Calme-toi le jeu. Hein. Oh mon café est froid. Un scandale, c'est 83 épisodes que je me suis servi gelé et des glaçons avec maintenant. Reste un petit peu. On va prendre notre temps. On va aller au bout. Pêcher ça aussi parce que je pense que je vais avoir plus que du pourri là dans 3-2-1. Ouais, c'est ça. Plus que du ripou. Voilà. Ce poisson dans le filet arrière. Ok, chantier naval déjà. Commence par réparer le machin. Merci. Allez, on va vendre du poisson. Dans ma réserve, je vais prendre ça. Donc on est bien d'accord qu'il n'y a que toi qui m'achète ça. Il n'y a que elle qui m'achète ça. Ça vaut quand même 75 boules, hein. Et 8 balles. Ok. La réserve. Voilà. Pouf pouf, on a fouillé cette zone. Maintenant, on doit aller là-bas. Non, on va aller là-bas. C'est plein ouest. Mais qu'est-ce qu'il me... Il veut pas me lâcher, hein. Lâche-moi, encule. Lourdeur du mec. Je sais plus ce qu'il voulait l'autre comme, comme poisson d'ailleurs. Non, pas ça. Cabine dans... Oui, encyclopédie, si tu veux un poisson. Quête. Il y avait pêcher des poissons rares, pêcher un poisson ogre. Ok. Il a l'air d'être un tout petit poisson. C'est pas toi. Ça, c'est l'île de l'autre taré. Ouais, on sait pas ce qu'on veut. Au milieu là, il y a un poisson légendaire ici à pêcher. D'autres t'aide. J'ai pas le bon matos pour le pêcher. Ok. Faut passer encore par là. Oh, c'est encore plus long l'histoire. Poisson des abysses encore. Tard. Mais j'ai toujours pas déverrouillé le droit de pêcher des poissons abyssaux. Donc là pareil, ok. Quand je vois des trucs rouges là dans les profondeurs, c'est des poissons abyssaux. C'est quoi cette merde? Je peux le pêcher ce truc? Juste fait poc. Juste un bout de bois. Ah, c'est les machins qui brillent là dans le noir là. Oui, ton calamar c'est mort, ok. Ok, ok, je m'en fous.
Un chien brun maigrichon sautille dans les eaux peu profondes. De temps en temps, il bondit dans l'eau pour tenter d'attraper de petits poissons argentés en vain. Débarqué. Vous sautez du bateau, l'eau vous arrive à mi-cuisse, le chien cesse de chasser les poissons et vous observe. Approchez doucement. Vous avancez vers le rivage en vous voyant approcher, le chien recule un peu, il s'assied. Appelez le chien. Vous l'encouragez, le chien s'approche prudemment. Il s'arrête juste hors de votre portée. Ok, lui tend du poisson. Vous tendez au chien des bouts de poisson dans votre paume, l'animal s'approche lentement et se met à les lécher. Caressez le chien. Vous tendez la main et caressez doucement le chien, ses yeux suivent votre main et il semble comprendre que vous n'êtes pas une menace. Vous caressez à nouveau le chien, ça me semble lui plaire. Continuez à caresser les toutous. Bon bref. On tourne au bateau alors que vous pataugez, vous entendez le bruit de quatre pattes dans l'eau derrière vous. Vous retournez, le chien se tient à quelques pas derrière vous. Il penche la tête d'un air interrogateur. Le laissez vous suivre. Vous continuez votre route, cette fois avec le chien à vos côtés. Il remue la queue si fort qu'il fait mousser l'eau derrière lui. Quand vous atteignez le bateau, vous vous retrouvez pour faire monter le chien à bord. J'ai un toutou ! Voilà. Salle des moteurs. Garde-le. Vous faites monter le chien sur le pont, après avoir fait quelques pas, il se met en boule et vous regarde. Vous pourriez peut-être lui trouver un foyer. Je le garde un peu. Le bâtard. Le bâtard, moi je veux un toutou. Le tarbaliste. Alors moi qui cherchais du bois pendant des siècles, bah, j'ai trouvé du bois. Donc potentiellement, calamar rayonnant. Oh, il est beau. Au polo. Calmar rayonnant, 20 cm frais, balise des profondeurs, aperçu d'un ciel nouveau. D'accord. C'est que des débris ou il se passe vraiment un truc à un moment donné? Ah! De la Artec. Boum! Oh, il y a des couleurs. Splendide en vrai. Qu'est-ce que ça raconte ça? La pierre tremble devant vous, des symboles inconnus brillent à l'intérieur. Placez votre main sur le caillou, un frisson vous parcourt, remontant dans vos bras et votre cou. Une vision intense s'empare de votre esprit. Une lueur verte de l'aurore apparaît dans le ciel nocturne au-dessus de la station balnéaire. Un grondement lointain secoue les toits de chaume, tirant les rêveurs de leur sommeil. L'eau se retire, exposant le corail à l'air chaud. Des créatures perdues, pépies et cherchent une cachette. Quelques instants plus tard, l'eau revient, déchaînée, emportant les âmes dans la mer. Pépies. Ah, va falloir réparer ça, c'est ça? Tas de débris branlants, ils pourraient être dégagés pour faire un raccourci. Ils ont des explosifs. Vous n'avez pas de pack d'explosifs. Eh merde. C'est un raccourci. C'est un raccourci. Ok, je suis dans le truc visiblement. Par là, il a l'air d'y avoir un quai, un port, un machin. On va donc suivre, j'ai envie de dire, sagement cette zone. Oh, un marchand ambulant. C'est la vie. Marché au poisson. Ah, bah encore elle, parfait, on se connaît déjà. Excellent. Voilà, la recherche continue. La recherche avance. Plus de gros moteurs. De gros moteurs. Je prends ça. Et je prends ça. Plus de gros moteurs. Ouais, les gros cylindres, t'as vu? Pour ce mec tout loup, tiens. Aïe, t'as vu? Oh! Un barracuda! Hmm.
comme un barracuda. Allons voir ce qu'il y a un peu d'autre comme poisson. Après tout, j'ai une dynamite, mais j'en ai pas deux, il m'en faut deux. Qu'est-ce qu'on a par ici? Bon, je connais déjà, hein, mais bon, on va se remplir la cale. Hein. Y'a quoi là-dedans? C'est des abyssous, abyssos, abyssaoum. Bis-bis. Qu'est-ce qu'on a par là? On a des barracuda. Wow. Un barracuda sanguinaire trouffé. Il dévore tout à sa portée, refermant ses mâchoires et arrachant sa propre chair. Son corps est consumé par la haine. Ah, il s'auto-bouffe lui-même. Ah, bah, il passe un grand moment. C'est un grand moment de gaming, celui-là. Ok, ok, ok. Quelque chose par là. On n'a pas fait le tour de toutes les îles, mais il y a un truc là-bas. Alors, ça, c'est un abyssous, hein. Abyssoum, abyssous, c'est tout ça. Ça, c'était un abyssous, mais il y avait lui là-bas aussi. Non, mon avis, c'est pas de l'océan non plus, c'est de l'abysse parce que je le vois pas. C'est que des abysses. À mon avis, on va pas tarder à débloquer la possibilité de pêcher des poissons des abysses. Hop, hop, hop. On va dormir sur place. Elle aura restocké d'ici demain matin. Deuxième dynamite. Une petite recherche pour aussi développer les gros calibres. Les gros cylindres. Aïe, t'as vu? Elle est sensible aux gros cylindrés. Tac. Turbo tuning représente, t'as vu? Bien. Va semer le Cthulhu des profondeurs. 52, 67. De toute façon, j'ai largement assez de pognon. Il suppute. Ah, il suppute bien. Ayez une vitesse de moteur combinée de 75 km. Merde, c'est des nœuds par. Par nœud, quoi. 1 nœud. Vous avez compris. Ah! Oh, pas pêché ça. Let's go. Oh, direct, le chelou. Un mérou rouge. Nageant souvent au-dessus des récifs coralliens, ce gros poisson piège les plus petits qui osent quitter la protection des coraux. Traduction, c'est un sale bâtard. Bah, donc, il y en a du poiscaille. Quasiment envie de dire qu'on est déjà plein. Et ça se pêche, c'est quoi? C'est de la merde. Ah mais il y a un Cthulhu là. Et moi je reste à portée, comme un débile. Ah il m'a pété mon moteur en plus, bah voilà. Ouais, tranquille. Mais j'ai mon bignou hein. Ah mais c'est bien qu'on soit mort, ça me laisse le temps de boire une gorgée de café chaud. Hein. Du coup, c'est très acceptable. Bah lever l'encre. Enfin lever l'encre. Je savais pas si on a fait le tuning. Ouais, on a fait le tuning.
On a fait le tunnel. Non, donc ça c'est des Barracudae. Bon, du coup ce que je voulais pêcher c'était ça parce que du coup je l'ai pas. Voilà, nouveau poisson. Oh, il est bien dégueulasse. Un mérou déchiqueté, sa peau jadis étincelante est décolorée et abîmée. Il résiste à peine, soulagé de trouver une fin. Ouais. Petit poisson, il est mort. Et il est content. Voilà. Donc, au milieu de cet océan, il y a des vraies embrouilles. Voilà. Au milieu de ce truc, de cette île paradisiaque. Il y a une bestiole qui a élu domicile. C'est un peu dangereux comme coin. C'est un peu vos vacances de l'extrême. Une sorte d'émission un peu spéciale. 1, 2, 3, 4. Hop, je peux t'en caler encore un. Bon, bah, de toute façon, il fallait juste en caler encore. Et il est déjà 18h. Allez! C'est pas grave, on s'est fait une bonne petite pêche, marché aux poissons. Dire-moi ça, on a découvert les espèces locales, c'était très bien. C'était fort agréable. Hop! Petite sieste, hein. Et puis comme ça, on peut lui acheter tout son tuning. La recherche bien taffue. Ouais, nous, ça représente la recherche, le danger, les gros calibres. Toujours pas, hein. Ça me fait des trucs, mais horribles en moi. Des filets. Ouais, des filets, ouais. T'as vu du gros. Hyper vitesse, t'as vu. J'avoue, on fait des petits speedruns, hein, quand même, hein. Mais là, on rigole, mais... speedrun, hein. Speedrun-le. Hop. Hop. Ok, hop, utilise des explosifs, allumez la mèche, bam, ça dégage. On arrête ma merdouille, on va les revendre. Mais putain, je suis un abruti, j'avais pas besoin de faire ça. Allez hop. Paf. Allez, pose le pain de C4, mon gars. Voilà, c'est bon, ça. On connaît déjà, hein, mais bon. Gêné, hein. J'en prends un, quand même. Dans le doute. Donc là, on peut faire le tour par l'extérieur, mais... Ce qui nous intéresse peut-être à Andé, c'est ce qui se passe en intérieur. Qu'il n'y a pas 50 sortes de poissons locaux. Hein. En train de me dire, je garde de la place pour les autres, mais. Pas l'air de. Pas l'air d'y en avoir vraiment d'autres. Hein. Okay, il se passe des choses par là. De la tech, c'est bien ça. Allez hop. Tiens dans la boîte. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que cet endroit? Fort charmant, ceci dit, puisque... On continue à développer notre filet. Générateur. Un vieux générateur crachote et ronronne. Laboratoire. Le laboratoire est en ruine. Il y a du matériel et des papiers disséminés un peu partout. Où voulez-vous chercher? Ouvrir les placards. Vous vérifiez les placards, vous trouvez de la tech. Vider les placards.
Voulez-vous les chercher ? Le matériel est sur la table. Il y a d'étranges pièces prototypes sur la table, mais vous n'en voyez pas l'utilité pour le moment. De l'autre côté de la table, vous trouvez un message rédigé à la hâte. Sûreté compromise, représailles imminentes attendues, évacuation vers le fort. Où voulez-vous chercher ? Regardez par terre. Vous regardez le sol autour de vous, il y a des fissures à la base de la structure qui se transforment en crevasses au niveau des murs. Ces trous ont été causés par quelque chose d'incroyablement gros et puissant. Lentement, vous enfoncez votre bras dans l'un d'eux. Et vous trouvez de la tech. Vous retirez un objet de la brèche dans le sol. Où voulez-vous chercher ? Nous, ce qu'on veut là, c'est... voilà. C'est ça qu'on veut. Et on va même se faire un kiff, on va aller chercher le turbo panier à crabe. Pour aller chercher quand même le gros moteur. Genre bien hardcoreux. Oh, j'ai pas ça. Je veux. Yes. Bah j'ai trouvé. Je voulais et j'ai eu. Je voulais certes, mais j'ai plus de place là. Allez gros, va falloir me faire une petite place là quand même. Comment qu'on se la colle. Si je fais ça, j'ai encore une place pour une pieuvre. Allez, je peux prendre une pieuvre. Jeter 25 poissons. Plouf. À première vue, y a un succès à faire du gaspillage, bien sûr. C'était pas évident. Un petit journal, un petit quelque chose. C'est toujours sympa. Moi, je pense qu'on va retourner vers notre marchand. Ouais, la pierre sur laquelle on peut mettre nos mains. Si, bien t'as vu. Il y a un fort, là. Mais je vais pas aller au fort. Je dis au marchand. Tant que mes produits... Ouais, non, marchand. On verra ça demain. J'ai tout pété. Je suis un abruti. Bon, on va passer notre meilleure nuit. Let's go. Je suis toujours enchanté de vous proposer un let's play vraiment de qualité. Avec un contenu dynamique. Ultra cutted. Regardez, on arrive même à esquiver ce poisson globe là qui se prend pour un bateau. C'est pas du génie, non ? Parce que... mon slow gaming compétitif, voilà, parce que vous connaissez le speedrun, mais le slow run, est-ce que vraiment vous y étiez préparé? Moi je ne pense pas. Ah, on va peut-être quand même se remettre une petite loupiote, hein, quand même. Hein. Je suis en sérieux 5 secondes. Ça se passe très très bien. Ça va être 5h du mat. On aurait fait une petite nuit de dérive dans le plus grand des calmes. Ah, elle a un petit corail qui brille, c'est mignon. Bon, allez, vas-y. Quelque chose s'est glissé à mon bord. Ah, tu déconnes. T'es en train de pourrir tout mon stock. Allez, ça dégage. Hop. 92$ la réparation du turbomoteur. Heureusement que j'avais une petite pièce de métal pour compenser la perte. Bon, formidable. Y'a quoi là? Hop. On se fait du pognon, hein. On sait jamais, au cas où il y aurait une nouvelle pièce installée. Hop. D'accord, je vais faire là-dessus. Ça c'est du barracuda. Donc, en fait, non, on s'en fout. Si c'est pas nouveau, en gros, on s'en pète. Hop. Allez. Donc on est passé plus ou moins par l'intérieur, j'aimerais passer par l'extérieur. C'est bien, vous avez vu, il y a des trucs, on sait jamais. On connaît déjà. Là, il y a l'air d'y avoir un truc. Juste sous la surface de l'eau se trouve un coffre qui flotte, retenu par une chaîne qui disparaît dans les profondeurs. L'ouvrir.
retourne maison. Bah tu me racontes ce que tu veux, mais on retourne maison. Hein. Ah, on va aller là, directos, hop, c'est vendu, le reste in tout réserve, terminado ça. On en parle plus, hein. Et hop. Marché aux poissons. Non, bah, j'ai pas de poissons à vendre, je suis couillon. Alors déjà, Kéké tuning, hein, Kéké fait du tuning. Voilà. Dock flottant. Alors oui, d'ailleurs, j'ai pas testé, faut que je prenne un... Faudrait que je prenne un petit panier. La version supérieure, côte océan, côte au fond, 12 par jour. Là, là, on peut, là on, par contre, on peut charrier. Donc, on va vendre le nôtre. Et on va acquérir celui-là. Voilà. C'est pas mal. Attends. On n'a pas fini le chantier naval. On achète ça. On achète ça. Je te vends ça. Attends, est-ce que tu achètes ce genre de truc aussi? Non, tu n'achètes pas ce genre de choses par contre. Ce qui est dommage, hein, d'ailleurs, en vrai, c'est quelqu'un qui achète tellement tout, tu te dis ouais, presque c'est dommage, pourquoi vers la réserve, pourquoi finalement tu n'achètes pas ça? Vers la tech, des casiers, des casiers. Okay. Dans ma réserve, je crois qu'il y a mon casier, ouais. Il y a mon casier, je prends mon casier. Je quitte ton embarcation. Je prends mon machin. Il y en a beaucoup dans le coin là. Oui, régale-toi ma gueule. Alors, j'ai vu aussi qu'il y avait un rocher avec une drôle de gueule par là. Je vais voir ce que c'est tout de suite. Ça va être un hôtel. Hop, 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 hop. C'est un crabe hôtel. Bah désolé hein. Bon de toute façon on va rentrer hein. Parce qu'il fait déjà nuit noire. Bah il restait un poisson hein, donc les petites méduses là. J'en ai pas eu une moche dégueulasse. Je peux en avoir une moche dégueulasse s'il vous plaît. Ah la gorgone. Ah 8 bouches agressives rampent les unes sur les autres sur l'ordre de leur maîtresse silencieuse. Pas dégueulasse du tout. Ah, c'est marrant. Quand on la tourne, elle bouge un peu. Blub, 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 blub. Et blub, blub. Du coup, c'est rigolo. Le mec vit quand même dans un monde où il y a des monstres marins d'une dimension ouf. Mais tout le monde est serein. Surtout que mon pêcheur, il prend même pas exemple genre sur le baleine, il dit pas « Allez, je vais me trimballer des explosifs. » Au cas où, un monstre un petit peu chaud, je lui dynamite sa face. Non. Non, il est... Il est au calme. Non. Eh oui, allez, c'est pisser la nuit quand même. Au moins jusqu'à 5 heures, hop. On pousse, on mousse, on pousse, mousse. Les planches, ok, j'en ai pas l'utilité. Les vagues clapotent autour d'un tas de débris sur la plage. Au milieu se trouve un coffre en bois. Regardez l'intérieur. Du loot ? Vous pouvez y revenir plus tard. Ah oui, non, mais gros, je prends tout là, t'as pas compris. Je te péta ta carte, ou tu la verras plus jamais. Hein. Ok, il y a une carte au trésor. Déjà. Ouais. Alors. Je connais déjà, par contre. Nouveau. Avec un marteau. Attends. Est-ce que c'est le poisson qu'il faudrait ramener? À l'hôtel chelou, là. Paraît suspicieux. Ok. Ah oui, on a toujours pas lu les petites news. Donc ça, je suppose que c'est du Abyssoum Abyssous. Ouais, voilà, c'est ça. Mais il faut que j'avance un petit peu parce que sinon,
On ne saura pas c'est quoi les Abyssus Abyssum. Abyssae. Abyssbis. On peut faire de la tech. Mais j'ai pas de la tech. Grosse tech. Range-moi ça là-dedans. Range-moi ça là-dedans. La chercheuse. Oh bonjour, je ne m'attendais pas à voir de visiteurs. Qui es-tu? Un pêcheur. Ah oui, ça se voit un peu. Mais que fait un pêcheur ici? C'est bizarre. Eh bien, ravi de faire ta connaissance. Ça fait des mois que je n'avais vu personne, à vrai dire. J'aurais bien besoin de ton aide si tu as un peu de temps. Mais qu'est-ce que je peux faire? J'ai besoin d'aide pour collecter des échantillons à étudier. Au départ, j'étais posté au centre de recherche à l'intérieur du bassin, mais on m'a attaqué. Une énorme créature a surgi des profondeurs et détruit le centre. Maintenant, elle se repose au milieu du bassin. Je me suis enfui depuis, je me débrouille comme je peux, mais j'ai dû abandonner la majeure partie de mon matériel et arrêter mes recherches. Jette un analyse des spécimens qu'il me faut et dépose-les ici. Tu devrais peut-être tester différents machins. Méduse et le poulpi là. Le calamar luciole. Ok, luciole. La méduse de l'or, j'en ai pas chopé. Tu devrais peut-être tester différentes stratégies de pêche. Ouais. Ouais, ouais, t'inquiète. Par contre, j'en avais pécho avec celui des hauts fonds. Donc, si c'est pas un côtier. Ok. Ouais, ouais. Ce chien a besoin d'un foyer. Tu veux l'adopter? Un chien? Oh, laisse-moi le voir. Le chien bondit vers la chercheuse. Elle s'accroupit pour le caresser en souriant. L'animal lui lâche le long menton. Je t'en débarrasserai avec plaisir et j'apprécierai la compagnie, t'en es sûr. Ouais, prends le chien. Vas-y. Oui, on va devenir de grands amis. Il pourrait être mon assistant. Soudain, le chien se lève et se met à avoir des hauts le cœur. Son ventre se contracte. Quelques secondes plus tard, il vomit une masse humide. Quelque chose brille dans le mucus. Oh, c'est intéressant. Bien, c'est à toi si tu le veux. Bah, ok. Je vais nettoyer le reste, ne t'en fais pas. Ok. Bah, ok. Hop. Claqué dans la réserve. Ça, c'est quoi? C'est déjà trouvé le trésor auquel. J'ai déjà trouvé le trésor auquel ça menait. Je peux donc m'en débarrasser. Bon bah voilà. C'était pour trouver le coffre à mon avis suspendu. Bah j'ai tourné un petit peu, j'ai trouvé. Voilà. Par contre, oui, il y a un drame là. Voilà, merci. Non, ça j'en peux pas. Non. Non, ça ne m'intéresse guère. L'épave là-bas, je sais pas si je l'ai vue, donc je vais y aller. Abyssum, Abyssus, tout ça, tout ça. Le jeu qui me filme est de la caillasse. Allez, c'est vraiment je le prends parce que ça périme pas. Un vivano sanglant. Bonjour. Du sang s'écoule de sous ses écailles en permanence et s'accumule sous lui, où qu'il soit. Ok. Alors oui, 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 t'es moche. Ouais, c'est super moche. Les messages. 14 septembre 1927. Ça fait quelques jours que je n'ai pas écrit. J'ai des frissons et j'ai l'impression que mon cerveau est embrumé. Quoi que je fasse, je ne parviens pas à me réchauffer. L'encre a coulé de certaines lignes devenues illisibles. Si la majorité de ce qu'ils ont récupéré était des débris, ils ont fini par sortir un gros coffre en bois. L'équipage s'est tu devant cette découverte fascinante. Je me souviens des instants qui ont suivi avec une netteté douloureuse. Il l'a ouvert facilement. Les planches déformées ont craqué et grogné de soulagement en explosant. Un tissu pourpre a glissé sur le pont.
Les vagues se sont abattues dans un vacarme assourdissant. Je les entends encore. Il a jeté un œil dans le coffre ouvert, puis s'est tourné vers moi. Dans ses yeux, je n'ai vu que le néant. La page a été arrachée. Nous sommes fiancés. Il nous a amenés tout au centre du bassin des astres pour voir les lumières. On a discuté pendant des heures, ce qu'on n'avait pas fait depuis longtemps. Rempli d'attente et d'espoir, peu après minuit, nous, alors qu'on divaguait et qu'on délirait à cause du manque de sommeil, l'horreur est apparue au-dessus de nous. En me retournant pour voir sa réaction, j'ai vu qu'il avait déjà un genou à terre. Je ne me souviens pas de ses mots ni des miens, mais je sais que j'ai dit oui. La bague est splendide, avec des pierres sur le pourtour. Je n'arrête pas de l'admirer. PS, je ne savais pas si je devais dater ce message d'hier ou d'aujourd'hui, étant donné que ça s'est produit au milieu de la nuit. Mais je crois que cette nouvelle est assez importante pour être consignée sous plusieurs dates. Alors, en réalité, c'est 6 mars, puisqu'on parle dans ces cas-là de la nuit du 6 mars. Et techniquement considéré comme un nouveau jour, en dehors de son aspect mathématique, à partir de l'aube. Si ça s'est passé dans la nuit, techniquement, ça s'est passé la veille. Vous pouvez répondre en me disant « Mais non, mais t'es qu'un gros connard, n'est-ce pas ?» Ah, des anchois. Putain, je ramasse tout et n'importe quoi, du coup. C'est rigolo, ça. Et Abyssoum, Abyssous. Abyss Abeba. Marrant, ce truc. Très marrant, ce truc, hein. Vraiment, hein. Moi, oh, ça me smoke de rire, hein. Je suis un connard. La réponse est oui. J'ai pété mon moteur juste pour péter mon moteur. Hein. Avarié. Ah, mon gros poisson, il est avarié. Merde. Il a deux doigts d'être pourri. Quoi? Arrêtez votre cinéma, je rentre à ma maison, là. Là, je la vois, ma maison. Arrête ton char, baignure. Il y a R. C'est très bien qu'il y a R. Pas du style, hein. Oh, 8. Ah, la pêche passive, hein, c'est quand même formidable. Wow. Je commence à travailler beaucoup de babioles. Chantier naval. Hop, c'est vendu. Il vaut encore 130 dollars à varier. Putain, c'est beau. Filet, 0. Ah merde, j'ai vendu tout mon filet. Oh, et quel con. C'était toute ma pêche qui valait ce prix-là. En 4 nazaire, crabe bleu. Ouais, vas-y, je crois plus. Ok. Recherche. Est-ce que la recherche avance? Bon, la recherche n'avance pas pour l'instant. Mais en même temps, la recherche pourrait avancer. Madame, faites avancer la recherche. Marchez au poisson. 11, 15. Bon, quand même pas grand chose, hein, les machins. Hein. Nous, vous voyez, madame, en ce moment, on fait dans la science du panier. Panier repas, panier cadeau, panier en osier pour grand-mère, panier à roulettes, tout ça, cabas. On fait dans le cabas, t'as vu? On fait dans tout. Voilà. Le panier du chat, tout! Est-ce qu'on se fait une dingue? Techniquement, là, je dois tourner en rond jusqu'à trouver le bonheur de l'autre crétin. Hein. De l'autre crétine. C'est quoi? C'est tu roupilles le jour? Tu bois la nuit?
Bon, visiblement, le jour, j'ai le droit de tourner autour. Ça te provoque pas, là, si je viens là? Ok, c'est du Abyssum, Abyssus. Ok, 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 c'est bon, j'ai compris, je me casse. Ça suffit, hein? Non. Oh le bâtard, ce qu'il m'a dit. Oh le bâtard, ce qu'il est en train de me mettre. Oh le bâtard, il va me détruire. Ben, voilà. Ok. On peut pas non plus, même de jour, en fait, il est taquin. Ok, ok. Super vitesse. Donc, là on avait dit, je pêchais ça. Tac, tac, tac. Élevé, moyen. Ah oh bah j'en ai plus encore. Bon bah voilà. Hein. Bon, on va tout de suite faire demi-tour du coup. On va tout de suite aller vendre tout ça. On va récupérer celui-là ou ceux-là, je sais pas combien il y en a. Ah mais il y en a plein. Ils ont fait le plein. Le baracoda à accordéon. Ah, son corps s'étire puis se ratatine à chacune de ses respirations. Mouvement mécanique d'un corps naturellement disséqué. Très drôle. Mais dégueulasse un peu. Alors, moi je voudrais le mettre là. Mais si je le mets là, ça passe pas. Donc il faut que je fasse des micmac. Des to mic and des to mic. Attends. Si je fais ça un jour. C'est genre pas très constructif. Attends, attends, si. Il y a peut-être un monde... où mon mic and mac pourrait pas être constructif. Ou pas. Mais c'est une tentative. Ouais, alors en fait il me faudrait pas de place ici quoi. 1, 2, 3. Ah, est-ce qu'on se tente. Alors attendez, on se tente une rotation. Hein. Une pivot rotativité. Ah non, il rentre pas là et il est pas dans le bon sens. Il est pas dans le bon sens. Il n'est pas dans le bon sens. Pas dans le bon sens. Il y a rien qui cloche, il y a rien qui va. Et je viens de perdre encore plus de poids de place. Parce que du coup, lui, je pouvais le rentrer. Je peux plus le rentrer. Ah si, attends, je peux le rentrer toujours. Voilà, faut très bien la faire. Ok, bon. On laisse le crabe bleu là-dedans. Qu'est-ce que j'ai dans mon filet? Il faut que je check ce qu'elle me veut l'autre. Ça, j'aimerais savoir combien ça vaut. À l'unité. Je vais le ramener. Tout de suite. Et hop, il y a un autre poisson dans la boîte. Ah, j'ai le droit de pêcher ça. Ah, excellent. C'est ce qu'il me faut.
peu de pression là. Un petit peu de pression. J'ai arrêté à côté des brouillards chelous là. Encore plus de pression. Le truc c'est que faut que je pêche là en fait de nuit. Parce que je vais aussi avoir les espèces de pieuvres là. Que des calmars. Hein. Que des calmars. Marché aux poissons. Alors, exactement, lui il vaut combien? Avarié, 140 balles. T'es déjà avarié? J'achète de la tech. Mania crabe, hop, débloqué. Marché aux poissons, non c'est fait, il faut que j'aille à la réserve. Ah, parfait. Ah oui, ça se pêchait avec ça, c'est vrai. Okay, je vais lui amener ça tout de suite à l'autre. J'ai un peu de tout pour faire un monde là sur moi. Ça. Alors, les spécimens que tu cherches, il y a ça. Il y a ça. Et la méduse, pour l'instant, je l'ai pas. Terminé. Putain, mec, nique ta mère, le jeu. Je crois que la méduse. Putain. Je crois que la méduse. Méduse, ça m'a l'air compromis. Ou alors c'est panier de crabe, mais il va falloir que j'emmène ça ailleurs. Clairement, c'est pas là où je suis. Hein. Gagner un poisson. Non, l'idée c'est d'aller voir si je peux raqueter des méduses. Attends, on voit le phare d'ici. Hein. Oh, stylé. Marché aux poissons. Ouais. Voilà. Un petit poisson. On va voir mon super panier. D'ailleurs, il est comment mon super panier par rapport à ça? Genre, toi, là, 7 jours, 2 à 3 par jour. 5 par 5, 3 par jour, en 6 par 6, 11 jours de durabilité. Ah ouais, pour l'instant il est solide. Hein. Un roi des anchois. Ok, as you want. Il y a la station radio, mais entre les deux on peut passer ou... C'est un cul de sac, c'est un cul de sac.
fait, je vais peut-être faire demi-tour, mais je crois que la méduse, je vais pas avoir le choix que de la pêcher de nuit. Et j'ai bien peur que ce soit du haut fond. Donc ça, c'était quoi? Requin marteau. Putain, c'est des requins marteaux. Je vois la tête là. C'est des requins marteaux qu'il faut dégainer pour remplir ça. Et genre, il en faut 3. 3 requins martales là. Sérieux mon gars? Où moi tes requins martales? Ça c'est du Abyssum Abyssus. Ah oui. Bien sûr que c'est du Abyssum Abyssus. Ah, l'abîme appelle l'abîme. Pêcher. Ah oui, quel marlugan, let's go. On se fait un petit plein tant qu'on y est. Je m'attrape de la méduse au moins ou pas? Ah bah j'ai de la méduse, oui, c'est bon, juste aller au fort. Ok, au fort, un petit dire l'autre, sans effort. Ah, voilà. Suite de ma carte. Je peux m'en débarrasser. Bah, je me doute. Récupère. Récupère. Techniquement, j'ai pas bien fait le tour puisqu'ils m'ont... il m'en manque une partie. Il me manque une partie de carte, donc il faut quand même que je fasse bien la chose. En allant trouver l'autre morceau de carte. Spécimen que tu cherches dans mon filet, hop, bim. On dirait que tu as attrapé tous les spécimens de surface qu'il me fallait. En fait, il me faut aussi des spécimens qu'on trouve un peu plus profonds, mais ça risque d'être un problème. Pourquoi? J'ai développé un dispositif qui permet de récupérer des échantillons des abysses, mais il était dans le centre de recherche avant l'attaque. Je crois savoir comment éloigner la créature assez longtemps pour récupérer ces échantillons. Mais pendant que j'y travaille, j'aurai besoin que tu me trouves des pièces prototypes. Prudence, je te conseille d'y aller dans la journée, mieux vaut éviter d'être sur le récif la nuit. Autre chose? Bah bisous bisous. Est-ce que ça y est, je peux? Je peux pas, c'est les pièces prototypes. Ça va être ça, ça va être ça, je vais pouvoir pêcher dans les abysses. Ça y est, il se passe un truc. Il se passe une dinguerie. Ouais, le destin il est par là. Oh, je peux pêcher un chelou par ici. Allez. Oh, déjà vu. C'est du déjà vu, hein. Allez vous faire enculer les corbacs. Et vous me tapez quand même ma réserve même si je suis hacké? Ah, les petits bâtards quand même, hein. Regardez par terre. Non, c'était sur la table, excusez-moi. Hop là. Paf. Embarquer, c'est peser. Oh. Putain, sale corbac de merde. Abyssus. C'est l'Abyssus. Abyssai. Ah bah eux aussi. Super. Tout est de l'Abyssalite.
ouais, pas ça, mais on s'en fout un peu. Parce que là, ce qui va nous intéresser, c'est le foutu requin marteau aussi. Oubliez que ce putain de requin marteau commence à nous intéresser grandement. Avarié ou non, hein, d'ailleurs, au passage. Ah bonjour, j'ai les pièces du prototype. Excellent. Je vais te fabriquer un dispositif. Ça devrait te permettre d'attraper des spécimens beaucoup plus en profondeur. Il est un peu lent, mais tu pourras peut-être y apporter quelques améliorations. Merci, madame. Non, je peux pas. Madame, je peux pas. Votre truc, il m'emmerde. Je peux pas le mettre, madame. Vers la réserve. Voilà. Et une machine de répulsion. On va récupérer, madame. Branche-le au générateur du centre de recherche. Tu pourras y retourner pour la relancer au bout de quelques heures, mais sinon, tu es... tout est automatique. Ok. Il lui faut des poissons chelous. Très bien. Non, c'est moi. Ma réserve. Il y a... dans ma cuisine, il y a l'encyclopédie. Dans les quêtes, il y a récupéré tous les échantillons, évidemment. Dans mon filet, il y a des échantillons. là-dedans, on va nous dire, regarde, mec. Ah, je sais. Ah, ça serait bien. Abyss et grand fond. Abyss et grand fond, Abyss et grand fond océan. Qui viendrait remplacer... je serais obligé de brancher ça à la place de mon filet. Qui fait côté océan. En fait, j'aurais pas le choix parce que sinon, je peux plus pêcher les côtes. Ouais, quoi qu'on s'en fout. Hein. Après, les côtes, on les ramasse avec le filet. Ouais, ouais, ça peut se faire. Ouais, ça peut se faire. Ça peut se faire comme ça. Franchement, moi, je pense que ça peut se faire comme ça. Cabine. Cale. Désinstaller. Hop, ça part à la réserve. Partir là. Ça, partir par là. Voilà. Comme ça. J'ai un bout de carte, il n'est pas complet. Oui, techniquement, ça c'est le nord. On dirait le nord. Voilà. Très bien, il manque un bout de carte encore. C'est bon? J'ai tout rangé. Non. Ah, ça va à la réserve. Ça va à la réserve. Ces conneries-là, c'est à vendre. C'est à vendre. Voilà, on verra bien. Voilà. Donc là, techniquement, bam! Je peux arriver. Hop! Et voilà, j'ai ton moche. Pêcher quelques-uns. Oh, attends, je peux avoir le légendaire. Voilà. Le trophée. Voilà. Tout ton paquet de moches. Ah, il y en a encore. Je vais ranger mon panier au passage. J'ai pas l'intention de le rejeter puisque j'ai tout ce qu'il me faut. Donc mon petit panier là. Petit panier mignon. Mignon, parce qu'il est tout mignon plus mon panier. Voilà, la chercheuse. Ouais, 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 tiens. Tu voulais un moche comme ça, tiens. Ça me régale. Hop. On retourne voir. Putain, mais j'en ai marre de me péter la gueule contre tout ce qui traîne. J'ai des pneus sur le côté, c'est pas censé me protéger un peu? Me protéger un pneu même, j'ai envie de dire. LOL. J'ai pas plus LOL. Ah, c'est des ouf. Je peux plus pêcher dans les ouf. Ok. Marché aux poissons. Voilà, ça c'est vendu.
Ma réserve, c'est ma réserve, elle est en train de dégueuler. Et partout, parce que j'ai encore tout cassé. Vends ça et vends ça. Parce qu'on s'en fout. Ça, ça a ramené. Oui, non, alors ce qu'il va nous falloir, c'est ta tech aussi, madame. Il nous faut de la tech. Hein. Merci. Ta tech, et certains disent même de l'art tech, madame. Hop, c'est mieux. La recherche avance. Allons au chantier naval. On va déjà se prendre celui-là parce que c'est carrément mieux que ça. Voilà. Ça, c'est. Ça, c'est vers la réserve. Et à la réserve, ça, est-ce qu'on peut le vendre? Quoi? C'est un peu à chier. Ah non, oui, j'ai pas le choix, c'est son prototype gratos. D'accord, d'accord. Okay, okay. Oh, c'est bon, j'ai compris. On va mettre ça comme ça. Comme ça, ça fait à peu près rangé. Ouais. Bon, on peut dormir, hein, y a pas de. Y a pas d'urgence. Je suis même en train de voir que ça fait plus d'une heure. Donc on va retourner à la pêche au caca, tout ça, dans un prochain épisode. Et on va pêcher dans les abysses. Et j'ai pas oublié qu'il y avait un poisson qu'il fallait qu'on aille récupérer derrière sa cascade. Je vous remercie, c'était Knarfank sur Comme d'habitude Gaming. Et je vous dis à la prochaine.